Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la brinque. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens et la ruée vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour, tout au fait mon père. Et que John Wayne est venu à la lumière. Tant comme un archiduc, comme une femme, une doute. Hollywood, New Bern, dans les jours d'hommes. Dans la vie de tous les jours, comme dans les nouveaux westerns. Megara, Gary Cooper, le western moderne est installé dans le secteur. Pour la vie de les enfants mercenaires et nos balances d'un combat. Après, désormais est proche de Gare de l'Est. Ils sont des époques et les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clubs. On va lâcher dans du top, du cinémascope. Il entre toujours le bar, commande un indien. Scalpe la mousse, bois, repose le verre sur le zin. Une douche cheveux se part, soupe, des types se baignent pour des motifs futiles comme dans les nouveaux westerns. Les têtes sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien, le mal, le public et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas loin dans la rue vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa télévision. Puis on le place à Fresnes, on le freine, le freine. Écoute les directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Chez la chevauchée fantastique. Dans le monde du rêve, terminé par un happy end. Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau western? Le monstre. Un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flan. De l'âme, du cheval et de quoi faire la brinde. Poursuivi par Smith et Wilson. Paul Derringer, où c'était un peu Minton. Il erre dans les plaines, fier, solitaire. Son cheval et son partenaire. Des indiens, 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 des. Gary Cooper, le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne ciblent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Ils sont des époques les mieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chute, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien. Scalpe la mousse, bois, repose le verre sur le zin. Une douche cheveux se part, soupe, des types se baignent pour des motifs futiles comme dans les nouveaux westerns. Les têtes sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien, le mal, le public et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie n'est pas loin dans la rue vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le freine. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western.
fois, la vie ressemble à une balle perdue. Dans le système moderne se noie l'individu. Pour rester lucide, il s'approchait de brandy. Désormais on brandit et les chutes et pépites. Ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours à contre-jour, c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau western? Yeah.